alors on est sur le concours du meilleur jeune boulanger de France, sur la sélection régionale Sud Nouvelle-Aquitaine, qui représente 6 départements. On avait aujourd'hui 8 candidats, dont les plus loin qui viennent de Tulle, en Corrèze. Et voilà, ils ont commencé leur épreuve hier après-midi avec un petit QCM écrit d'une demi-heure. Et ils ont attaqué leur préparation et ils continuent aujourd'hui, voilà, avec 8h30 d'épreuve au total. Ben, la difficulté, c'est déjà l'endurance, parce qu'ils ont un certain nombre de produits à sortir dans un temps limité. L'innovation, il faut que tous les ans, ben, on voit des nouvelles choses, des belles choses. Donc on voit tellement de choses aujourd'hui en boulangerie que c'est toujours compliqué d'innover. Mais ils y arrivent, on a des jolis produits qui sortent, des belles choses. Et puis voilà, de ne pas stresser, de prendre ça comme, comme une journée de pratique normale. Et puis, voilà. Alors ça se déroule comment après? Donc les finales nationales? Alors à la suite de l'épreuve d'aujourd'hui, il va y avoir un premier qui participera au mois de novembre à la finale nationale à Aurillac, du meilleur jeune boulanger dans le Cantal. Et alors à Aurillac, c'est une note, hein, c'est un titre, donc il peut y avoir plusieurs titrés. Et les deux premiers du titre au niveau national participeront à un concours européen. D'accord. Voilà. Ça représente quoi pour un jeune aujourd'hui de se présenter à ce genre de concours? Ben c'est pour se positionner un peu, hein, et puis ben ça leur fait une carte de visite dans leur CV. On a eu des jeunes récompensés. Ben, je crois qu'ils sont contents d'être passés par là, ça leur montre ce que c'est que le métier, que les concours, et puis ça les attire certains pour des concours plus élevés et un peu plus durs. Donc c'est intéressant.